Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tunisienne sans chichi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Action. Je suis allée faire des achats chez Action et puis je vais vous montrer tout ça. Alors tout d'abord, je vais commencer par un saladier. Donc j'ai pris un saladier en mélaminé en fait. Tout simple, voilà. Hein. Je l'ai pris assez coloré parce que j'aime bien en fait prendre des choses colorées pour l'été. Je trouve ça plus sympa. Et il me semble qu'il passe au lave-vaisselle. Oui, il passe au lave-vaisselle. Mais par contre, il passe pas au micro-ondes. Hein. Donc, il faut faire attention. Bon, de toute façon, moi, je vais l'utiliser pour les salades. Donc, je vais pas le passer au micro-ondes. C'est juste pour les salades l'été. Voilà, quand je le mets dehors sur ma table d'extérieur. Voilà, je mets juste une salade dedans et puis ça suffit, quoi. Donc, voilà. Avec toutes ces couleurs. Assez joli et à fleurs. Il est vraiment très très beau. Il y avait plusieurs motifs. Il y avait d'autres motifs, mais je trouvais que celui-là, il était assez joli. Donc j'ai pris celui-là. J'essaierai de vous mettre les prix si j'ai gardé le ticket. On continue par cette boîte. Boîte hermétique de la marque Carver. C'est 1,8 litre. Elle passe au lave-vaisselle, donc ça c'est bien. Ouais, c'est vachement hermétique. Le couvercle, honnêtement, il ne s'ouvre pas comme ça. Il faut vraiment tirer dessus. Donc ça c'est bien, il me semble qu'elle était en promo de la semaine mais je suis plus sûre. Et moi je vais mettre les céréales dedans. Voilà, je vais mettre les céréales dedans parce que j'ai plus de contenant, je sais plus où est-ce qu'il est passé ou peut-être qu'il s'est cassé, j'en sais rien. Donc voilà, 1,8 litre. Et honnêtement, la marque Carver c'est une bonne marque. Donc voilà, ensuite j'ai acheté 3 plats à grill en alu. Donc il y en a 3 pièces dedans, ça c'est pour les barbecues du coup, donc pour vos viandes, vos poissons, etc. Donc ça c'est cool, quand on achète ça, ça sent l'été et ça c'est le top, j'ai envie de dire, là on est bien parti là. Ça commence bien, j'ai vu que là sur toute la France normalement il y a des grosses chaleurs et tout ça, donc là à mon avis on va passer du temps dehors. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, je commence à prendre des choses pour l'extérieur. Ça suit un peu avec, j'ai pris des pics à brochettes, j'en ai pris 4, avec les manches en bois, comme ça je les trouve quand même assez bien. Donc ils disent que c'est pics à brochettes pour barbecue, à manches en bois de luxe, oui, enfin en bois de luxe, voilà, c'est un manche en bois quoi. Donc voilà, hop, si même vous voulez mettre du poulet, poivron, fromage, voilà, vous mettez ça sur votre barbecue, et ça, c'est top pour les beaux jours. Rien à voir avec le jardin, les barbecues et tout, mais je me suis pris des claquettes. Je les ai pris en taille 40 parce que j'avais l'impression qu'elles taillaient petit. Il y en avait plusieurs, il me semble qu'il y en avait aussi des noirs, mais avec des clous dessus. Bon, je préférais prendre les dorés, ouais, elles sont couleur dorée et elles brillent un peu là sur le dessus. Bon, après, ça c'est juste pour traîner à la maison, voilà, traîner dans le jardin ou à la maison. C'est pour ça que j'en avais fait. J'avais des claquettes, mais honnêtement, elles commencent à s'user un peu, donc... C'est pour ça, pour le prix, je préférais en racheter d'autres. Puis voilà. Toujours de la couleur. Alors, j'ai pris des housses de coussin comme ça. Ça, c'est pour extérieur. Hein. On voit que elles sont imperméables, quoi. On voit que s'il pleut dessus, ça va pas rester, quoi. C'est quand même prévu pour l'extérieur. Il me semble que c'est du 45 par 45, mais je suis pas sûre. Ouais, 45 par 45. Vous voyez l'image, ça vous met un petit peu. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça rend. Voilà, moi pareil, je vais mettre sur les fauteuils de jardin. J'ai pas acheté les coussins, enfin j'en ai acheté 3 comme ça. C'était les mêmes, honnêtement, c'est les mêmes motifs que j'ai acheté. Il y en avait d'autres motifs, mais voilà, moi comme je vous ai dit, c'était assorti au saladier. Et puis j'aime bien ces motifs vraiment colorés. Autant chez moi, c'est des couleurs assez neutres, assez douce, autant dans mon jardin il faut que ça pète quoi. Faut qu'il y ait de la couleur, faut que voilà, faut qu'on sente que c'est l'été et que on adore quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je les ai pris. J'ai pas pris les coussins qui vont avec parce qu'il me semble que j'en ai, donc je vais regarder dans mes placards, je dois avoir ça, hein, des coussins, j'en ai plein, donc ça sert à rien que j'en rachète quoi. Donc voilà, 3 housses comme ça. Ensuite j'ai pris les bols en mélaminé qui vont avec le saladier évidemment. Et du coup, toujours les mêmes motifs. Voilà, ça, je les ai pris, ils sont petits. Mais ça, c'est sympa quand vous voulez mettre dedans des tomates cerises, des dés de fromage, des olives, des pistaches.
Voilà quoi, un apéro, ça c'est sympa sur une table. C'est toujours bien d'avoir des petits bols comme ça parce que on en cherche toujours honnêtement des bols. Moi je sais que je suis toujours en train de. Il m'en manque toujours quoi. Donc c'est pour ça, je suis tellement en train de mettre toujours des petits bols partout sur la table pour mettre des apéros dedans. Donc ça honnêtement, j'en prends toujours. Voilà, toujours les mêmes motifs, assez colorés. Donc ça avec le saladier. Ça ressortira bien. Donc voilà. J'ai pris également une bougie à la citronnelle. Voilà, donc ça c'est indispensable pour les moustiques l'été. Bon après, est-ce que ça marche vraiment? Je sais pas. Mais en tout cas, moi je préfère en prendre une. Voilà, la mettre sur ma petite table. Bon, si ça peut au moins faire un peu quelque chose, ça sera déjà ça. Mais de toute façon, c'est pas grave. Même si ça fait rien, bon ben voilà, c'est joli. C'est jaune flashy, donc c'est coloré. Et en plus, le pot, il est assez joli quand même. Regardez, avec les petits carreaux. Donc voilà, même si ça fait rien, et eh bien au moins ça sentira bon et ça sera joli. Ça sera déjà ça. J'ai pris également une lumière que vous mettez sur votre parasol, en fait sur le pied du parasol. Voyez en hauteur, en fait pour vous éclairer quand vous mangez le soir. Je trouvais ça assez sympa. Alors apparemment, il y a marqué que ça marche avec des piles. Mais en même temps, enfin j'ai pas trop compris le principe. Je sais que je vais prendre des piles, mais j'ai pas trop compris le principe. Mais en tout cas, bon ça marche pas. Ils disent LED, mais ça marche pas avec le soleil. Hein, donc ça c'est pas la peine d'y compter. Voilà, il faut quand même les piles. Hein. Donc voilà, c'est pour des diamètres de. Il me semble qu'il y a le truc pour les diamètres. Alors, je vais vous dire ça. Ouais, voilà, donc ça fonctionne avec des 4 piles. C'est une lumière blanche. Il y a marqué que c'est ouais, c'est LED blanchot. Et c'est adaptable sur tube d'une épaisseur de 25 à 48 mm. Donc il faut faire attention voilà, au diamètre de son parasol, enfin du pied de parasol. Et moi j'en avais besoin parce que au niveau de là où est mon parasol, en fait on n'a pas de lumière. Donc même si ça éclaire pas beaucoup, au moins qu'on y voit ne serait-ce qu'un peu quoi. Une fois qu'il y a la tombée de la nuit. Si on est encore à table, voilà, au moins. Après, je sais pas si ça marche vraiment, mais ça a l'air quand même de. Ça a l'air quand même d'être pas mal. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Un paquet de serviettes jetables. Voilà, avec des motifs aussi un peu jungle, tropicaux. Je trouvais ça assez joli. J'ai pris une sauce salade à la moutarde et au miel. 510 ml. La dernière fois, je l'avais prise et je l'avais trouvée bonne, donc je me suis dit, bon, on va la reprendre. Celle-là, il me semble qu'ils la sortent surtout pour l'été, en fait. Mais honnêtement, ouais, je me rappelle qu'elle était bonne, donc c'est pour ça que quand je l'ai vue, je l'ai repris. Parce que c'est vrai qu'elle n'y est pas souvent, donc voilà. Petite moutarde, une petite vinaigrette moutarde. J'ai pris également deux lampes solaires, comme ça. Voilà, avec la petite boule, avec l'effet craquelé comme ça sur le dessus au niveau du verre. Celle-là, j'en avais pris l'année dernière et il me semble qu'elles avaient bien tenu quand même. Donc c'est pour ça que j'en reprends. Mais après, j'en prends que deux parce que pour l'instant, je sais pas trop. Faut que je vois en fait où est-ce que je vais les mettre. Je sais. Ouais, j'ai pas encore trop d'idées. Donc c'est pour ça que je préfère en prendre que deux pour l'instant pour voir un petit peu. Et puis après, j'en rachèterai d'autres une fois que j'aurai bien vu l'emplacement. Donc celles-là en fait elles font ouais, elles éclairent, elles peuvent éclairer en blanc chaud ou sinon aussi coloré. Hein. Vous avez les deux, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs, parce que comme ça au moins on a les deux, on peut changer quoi. Si on a envie d'un blanc chaud, on peut le mettre. Si on a envie de couleur, on peut le mettre aussi. Donc je trouvais que c'était assez sympa. Voilà, elles sont quand même assez grandes. C'est pas les plus grandes, mais c'est pas les plus petites. Il y en avait plusieurs, mais voilà, c'est pas les plus petites en tout cas. J'ai pris également ces petites bouées. Alors, elles sont toutes petites parce qu'en fait, c'est des porte-verres. C'est des bouées gonflables, mais porte-verres. Je trouvais ça sympa quand même pour mettre dans la piscine. Je trouvais ça joli. En plus, c'est une licorne. Elle est vachement belle en verre comme ça. Il y avait plusieurs. Honnêtement, il y avait plusieurs motifs. Hein. Il y avait un peu de tout. Mais voilà, j'en ai pris. Ouais, j'ai pris la licorne. Et ensuite, j'ai pris le perroquet qui était super coloré aussi. Donc, je trouvais ça quand même super. Ça va aller justement avec toute la couleur que je vais mettre dans le jardin. Donc, voilà, des porte-verres, enfin des bouées porte-verres. C'est la première fois que j'en prends. Hein. Il y a marqué porte-gobelet flottant. Je vais voir si ça marche bien. Je sais pas du tout. Ouais, comme je vous dis, c'est la première fois. Et en plus, vous voyez, la couleur, elle est super jolie. Je trouve que ce flashy là, ça va faire vachement beau. Et celui-là aussi, ce vert, il va faire vachement beau.
Donc voilà, j'attends de tester et de voir si vraiment c'est pas de la camelote. Le prix des pailles aussi, colorées aussi. Alors, il y en a 12 et elles sont réutilisables, pailles réutilisables. Et en fait, c'est un plastique, mais vachement dur. Donc voilà, et j'ai le petit goupillon des pailles pour le nettoyer, donc ça va. Il n'est pas fourni dedans, mais moi j'en ai un, donc voilà, il faut faire attention. Voilà, les personnes qui souhaitent en acheter, il faut essayer de trouver un goupillon, parce que du coup, voilà, c'est pas fourni avec. Mais c'est des pailles, voilà, rigides, hein, elles sont vachement dures. Hein. Donc vous pouvez les réutiliser. Et au vu de la couleur, moi c'est pour ça que je les ai prises, je me suis dit, bon, elles sont colorées, on peut les réutiliser, même si on les réutilise pas non plus, voilà, qu'au bout d'un moment, ça devient sale, quoi. Mais voilà, je me suis dit, bon, pourquoi pas, mais honnêtement, je sais pas sur quel rayon ils se trouvent, parce qu'en fait, je les ai trouvées vraiment, elles étaient posées, en fait, dans un autre rayon, et c'était les seules, donc bon, j'ai fait le tour, j'ai pas trouvé, donc je saurais pas dire vraiment où est-ce qu'elles se trouvent. J'ai acheté également une bouée diamètre 61 cm. Alors en fait, je l'ai acheté, bon, tout le monde sait nager dans la famille, hein, c'est pas pour se mettre autour de là, bien que des fois, ça peut être le cas quand même. Mais je l'ai acheté en fait surtout pour les motifs, vous voyez, les motifs de, voilà, des citrons, cornets de glace, pastèques, je trouvais ça sympa. Flamant rose, voilà, des petites glaces roses. Je trouvais ça assez joli. C'est pour ça que je l'ai prise. Et puis je me dis, en même temps, si on a envie de se reposer, bon, même si je vais acheter des frites aussi, mais si on a envie, voilà, de se reposer un peu, au moins on peut s'accrocher à la bouée. Ça fera l'affaire, quoi. Donc voilà. Et je viens de retrouver une deuxième boîte Carver. En fait, j'en avais acheté deux. Je savais même pas. Donc c'est la même. Il me semble que j'ai pris la même. 1 litre 8. Ouais. Pareil pour les céréales. Donc voilà, ouais. Franchement, honnêtement, j'ai trop bien. Je sais que j'en avais déjà acheté, mais c'est pareil, est-ce qu'ils sont pas dans mon garage ou quelque part? Honnêtement, à ce moment, mon garage, c'est le foutoir. Je vous ferai une vidéo dessus parce que je vais le ranger, enfin, il faut que je le range, mais je sais pas quand parce que pour l'instant, je trouve pas assez de temps. Donc voilà, j'espère que ce haul action vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.